Le ciel bruxellois s'apprête à être noir-jaune-rouge, mais pour l'instant, il reste blanc. Une vingtaine d'avions et 8 hélicoptères se préparent au traditionnel défilé aérien pour la fête nationale. Ce genre de répétition permet aux pilotes de trouver leur repère à 300 mètres au-dessus de Bruxelles, une ville qui, normalement, leur est interdit de survoler. Les vols sont interdits tout simplement parce que c'est une question de sécurité avec l'aéroport de Zaventem. Et donc il y a tout un espace qui fait à peu près 20 km autour de Bruxelles où les vols militaires sont interdits. Pour l'exercice, l'espace aérien est fermé pendant une dizaine de minutes, mais sans engendrer de perturbations pour les voyageurs des aéroports belges. Seuls les leaders de formation participent à ces préparations, sans entraînement spécifique. Il n'y a pas vraiment une préparation particulière, il y a beaucoup de coordination qui se fait, mais nos pilotes ils sont capables de voler dans une situation pareille. Les vols de formation, ce n'est pas une exception à ce jour-là. Vu le contexte de menace terroriste, des mesures particulières sont prises, des mesures tenues secrètes pour raisons de sécurité.